Voilà, enregistrement lancé. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois sur Evoland 2 en compagnie de Jojo008 et d'AlexLyon2308. Bonjour à vous très chers amis. Et on se retrouve du coup, on a essayé de tuer le... pas le méchant, parce que du coup il était gentil. Le gardien du temps, et il est mort, hein. Enfin Noix de Feu a tué le gardien du temps, donc on essayait pas de le tuer, justement on essayait de le protéger. Et donc du coup il y a des anomalies un peu partout sur la carte. Bah alors, ma souris ne veut pas me mettre sur le jeu, c'est ça? Ah voilà. Et donc du coup il y a eu des anomalies un peu partout sur la carte, il va falloir rentrer dans ces anomalies pour voir ce qui s'y passe, hein, finalement. Hein. Voilà. À ne pas confondre Noix de Feu et Noix de Coco. Mais non, Noix de Feu, c'est la combinaison entre Noix de Coco et Fire Blue. J'ai vu une autre anomalie, c'est la seule anomalie qu'il y avait là, le temple. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses que c'est tombé du gardien, hein? Oui, probablement. Tu sais quoi, Léna? Je pense que ce truc peut être adapté à notre machine volante. Ouais! Module temporel! Parfait. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Je me demande à quoi ça peut bien servir. Bon, vu que module temporel, quand vous volez sur la carte, utilisez les touches de changement de personnage pour voyager dans le temps. Ah, voilà! Ça marche bien, hein. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Oh, quelle déception. What is Decepticon? Ah, c'est tabulation, c'est pour ça. Cat in time. Je veux qu'on le retourne à l'intérieur de l'anomalie, Léna. C'est qu'un formule de soigner ici. Oui, donc du coup, hop, on va voyager dans le temps encore. On va retourner dans le futur, on va essayer d'entrer dans l'anomalie du futur. Viking. Oh, comme c'est mignon. Et voilà, on retourne en 32 bits. Voilà, parfait. Bon, il n'y a pas d'autre anomalie sur la carte alors. Il n'y a que cette anomalie là. Et ben rentrons dans cette anomalie, hein, je vous dirai. Hein. Sortir, d'accord. Je voulais juste être sûr qu'on pouvait sortir de l'anomalie. On va pas sortir, du coup on va essayer d'y rentrer justement. Hey. L'anomalie, que tu es patient. Ben oui, je suis patient. Alors. Ceci n'était pas la dernière fois que nous sommes venus ici. Je ne donnerai ma tête à couper. Vu le nombre de changements que nous apportons à la trame temporelle, Chafou n'a plus trop sa foire. En tout cas, ce symbole est le même que celui de la pierre du temps. Effectivement, la pierre du temps. Et dire que j'ai toujours aimé de la trouver. Allons la chercher. Espérons que cela nous mènera à Noix de Feu. Notre quête touche à sa fin. Si je me souviens bien, on l'avait laissé sur l'île maudite. Ah oui, c'est vrai. J'aurais passé plus de 5 ans à faire ce jeu. Ah ben, il est long, hein, mais tant mieux, on s'amuse. Le but, c'est de s'amuser aussi. Il est long, mais il est intéressant. Là, on en est à une 75aine de vidéos, je crois. Hein, à peu près. Hein. L'île des pirates Warbirds. L'île maudite. De pou, pilou, pipou, pilou, papou, pilou, pipou, pilou, papou. Pidou,
Avec un rythme maudit du monde. Et on s'envole. On peut pas se poser sur la pointe. C'est le moment. On retourne dans la nouvelle. La pierre du temps. Finissons-en. Non, pas finissons-en, Jojo. Je suis désolé. On prend le temps de faire le jeu. On prend le plaisir de faire le jeu. Ça suffit. Le jeu ne nous gaffe pas. C'est pas un jeu qu'on doit finir et qui nous fait chier. Pierre du temps. Un portail est apparu. Vite, Dena. Je ne comprends pas pourquoi notre feu fait tout ça. Mais il faut l'en empêcher. Super Mario, rappelle-toi que Noix de Feu possède la puissance de l'art. Je ne pense pas que nous puissions la convaincre d'arrêter sans l'affronter. J'espère que tu es bien préparé. Ok, plagiat, comment ça, plagiat? De quoi tu parles, Jojo? Noix de Feu a sûrement une de bonne raison de faire ce qu'elle a fait. Tu ne crois pas, Nana? Je pense que oui. Peut-être qu'on ferait mieux de ne pas intervenir. Non, je pense qu'il faut intervenir quand même. Il doit y avoir une raison. Mais laquelle? Je ne sais pas. On avait fait tout ça déjà, non? On l'avait fait déjà. On avait déjà tout fait, donc ça, on va à l'anomalie. Mario et Tubidubidu. C'est pas un... Oui, non, mais c'est pas un plagiat, c'est des... clins d'œil. C'est pas du plagiat, c'est fait exprès, donc c'est le but du jeu, enfin, Jojo. T'as pas compris ça, en 75 vidéos, faut le faire, quand même, hein. Qu'est-ce que... Quel objet t'es plus étrange? On dirait qu'il contient tout l'univers. Pas l'univers. Le temps. Ah, il y a des bugs de son, des fois ça arrive, hein, désolé. Noix de feu! Où est-ce qu'on est? Au cœur de l'anomalie. Là où les maquis ont caché leur grand projet. Alors, c'est donc ça le projet? Mais pourquoi vouloir le détruire? Les maquis voulaient empêcher la fin du temps. Ils ont donc construit le projet pour courber le temps. Courber le temps? Non, pardon. Courber le temps? Détruire le projet va certainement détruire le temps. Mais s'il existe une chance, même infime, que ce ne soit pas le cas, alors il faut le faire. C'est le seul choix possible. Et oui, donc du coup, comme le temps était courbé, forcément, on arrivait toujours à ce même souci. Donc il faut pas qu'il soit courbé, il faut qu'il soit droit, le temps. Non, Noix de Feu! On a toujours le choix. Non, je suis d'accord avec notre feu là, hein. Je suis désolé. Hein. Si c'est ce que faut penser. Lara! Elle a disparu! Merde, putain! Joxan! Non! Super Mario, il faut te battre! DNA. J'aurais espéré que toi, au moins, tu me comprendrais. Quoi? Je suis directement connecté au projet. Pourquoi est-ce que je ne peux pas t'effacer? Ah merde, tu les as effacés les autres? Oh mon dieu. Mais qui es-tu au juste? Bah on sait toujours pas, hein. On demande pas, on sait toujours pas, hein. What? Oui. Augmentation de pouvoir. Le pouvoir de DNA s'est réveillé. Vous pouvez désormais ralentir le temps. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Je comprends maintenant. Notre destin n'était pas de nous comprendre, mais de nous affronter. Je te l'ai dit, mec. Oui, mais alors. Ah, putain, elle est méchante.
Gentille méchante, gentille méchante. On sait jamais avec elle, ça qui est chiant. Cérès. Mais non, elle s'appelle pas Cérès. Elle s'appelle Noix de Feu. Ah d'accord, et ralentir le temps, d'accord. Ah, waouh, d'accord, ok, le pouvoir de ralentir le temps, ok. Donc il y a un moment où elle sort du... où elle sort du cadre. Genre là. Pas du tout. Je ne comprends pas comment on fait pour... Non mais on peut pas la taper. Comment on fait? Développeur. Fait chier quand même, elle était gentille avec nous. Ah oui d'accord, ok. Chez vous, hein. Allez, oh là là. Putain, mais il y en a en mode limité les bestioles là. Voilà. Obligé de la battre. C'est dommage parce qu'elle était gentille, elle nous a aidés. Fait chier, hein. Ah. Youpi. Ah ouais. Ah, du truc de son. Non, ça, je peux pas. Je peux pas rivaliser avec ça. Hein. On recommence pas la jauge au début, hein. Oh putain, si en plus. Je crois pas. Putain, n'importe quoi. Laissez-nous le temps, au moins. Ben, ça, on a compris aussi. Ça va être long, ça va être long. Ouais, je suis d'accord avec elle, hein. Je suis complètement d'accord avec elle, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas que le temps courbe, quoi. C'est très mauvaise idée de courber le temps. Très mauvaise idée de courber le temps, c'est une très mauvaise idée, donc je suis complètement d'accord. Donnez pas de donnez pas du des pièces du con, donnez-moi de la vie, soyez intelligent. Oula, un bug de. Voilà, pour le bas. C'est bon. C'est bon. C'est la magie, c'est normal en Russie. Exactement. On va y arriver. C'est un beau combat là. Elle est où? Hop, 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 hop. Des fois,
Ouais, mais c'est pas juste, elle a des pouvoirs. Hop, 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 hop. Non, non, je suis désolé, non. Quand tu figes le temps, non, tu peux pas mourir. Putain. On va recommencer les trucs, mais pour rien encore. Donc pour me remontrer ça ensuite. Vachement utile. Arrête de figer le jeu. Oh. Olé. Hop là, la première phase c'est maîtrisé. Voilà, tu es mort comme une quiche trop cuite. Merci, ça fait toujours plaisir, Jojo. Non mais cette deuxième phase elle est très dure. Hein. Oh putain, ça m'énerve ça. À peine tu la touches là. Hop, hop, hop. Ah, putain, ça fait mal. Hop, 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 hop. Elle est où? Putain! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est ce truc là? Mais vous êtes sérieux et vous me rendez pas de vie avec ça? Mais rendez-moi de la vie! Mais vous m'en demandez trop pour le peu de vie que vous me donnez! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on s'en sort. Il y a des petits bugs de... On va pas s'en plaindre. Ouais. Dieu! Merde. Ah merde, putain. Mais mettez-nous une sauvegarde, faites pas recommencer du début. C'est dégueulasse ça. Ça c'est dégueulasse. Ça je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est nous faire recommencer à 300 000 phases. Non. Donc il y a l'air d'avoir 4 phases, cette phase là, la phase machin, cette phase là, et puis après la phase où on bat le rouge là, la barre rouge, c'est nul, c'est n'importe quoi. Faut que je pense à utiliser mon pouvoir d'ailleurs, je l'utilise pas dans cette phase là.
Non, je vais pas recommencer cette phase là. Allez, on est bon. C'est pas possible, elle change ses patterns en plus. Hop putain, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Oh, c'est bon. Ça c'est n'importe quoi, entre chaque phase il devrait mettre une sauvegarde, je suis désolé, c'est nul, c'est n'importe quoi. Ce vinaigre de CRS là, il me casse les bonbons. En plus c'est les boutons qui sont pas bien placés dans sur mon clavier je trouve. Ça va être pas. On y va. Putain, mais pourquoi tu touches pas, mais... Foutage de gueule, hein. C'est pas faux d'avoir touché, hein. Voilà. Ah, c'est bon. 87, ça va, ça devrait aller, là. On n'est pas à 37, là, on est bien, on est bien, on est bien. Ça vient à rien. Hop, hop, hop. Oh putain, elle apparaît sur moi. Non! Ah, c'est bon. Hop, 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 c'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Faut juste que je résiste un peu. Allez, troisième phase. On est bon.
Non, non, putain, non, non. Ça m'énerve. C'est nul, ça m'énerve ça, parce que t'es obligé, 20 ans de mettre... Allez, rentre. C'est très chiant, hein. On y est encore à 2h, alors, ça te gêne? Putain, c'est pas possible, ça. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Hop, on va y arriver, on va s'en sortir. Quitte à ce qu'on y soit jusqu'à 2h, je m'en fous. Mais bien dur à battre. Oui, je parle pas trop là. Là, on voit que je suis concentré. Voilà. Première phase parfaite, c'est bon. On est bon. Allez, deuxième phase, on y va. Putain, elle nous fait perdre de la vie là quand elle fait ça là. Putain, elle nous fait perdre de la vie cette. Hop là, comment c'est classe quand tu fais ça. Non, putain. C'est bon. 59, très bien, très bien. On est beaucoup plus haut que... Voilà. On est bon. J'ai tapé que en haut parce qu'en bas c'est des trucs qu'on peut facilement éviter. Putain, il me tue, mais c'est. Ça te vide, mais ça te vide à une puissance ces trucs là. Même avec plein de vie quoi. C'est n'importe quoi, c'est nul. On va y arriver, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Même si c'est pas dans cette vidéo, on y arrivera. Même en faisant un perfect, ça marchait pas. Donc du coup, on va prendre un perfect, ça sert à rien. Surtout que maintenant... Hop, même les colonnes quand tu les touches. Hein. Je vais en profiter pour récupérer peut-être de la vie pendant cette phase là, parce que cette phase est assez simple. Je vais essayer de faire ça. Allez. Ils vont plus me donner de vie. Voilà, on est bon. Fou. On y va.
Putain, mais ouais, mais j'avais plus de... J'avais plus de temps. Pouvoir qui met 3 ans à se recharger alors que elle a même pas de DPS. Le pouvoir il se déclenche directement. Merde, mais va te faire. C'est bon. Fou, on y va. Non, pourquoi le haut il marche plus d'un coup? Ça fait chaud, elle a plus marché. C'est quoi ces conneries là? Voilà. Ouais, je fais gaffe, justement, je suis en train de récupérer de la vie là et après je m'attaque aux autres. Parce que les boules, ça va, elles sont faciles à éviter. Ah, là, j'ai de la vie, c'est bon. Merde. Putain, mais ces boules elles font chier. Ça me donne pas assez de vie là, voilà. Mais non, ça me donne pas assez de vie cette merde. J'en ai marre, putain. Ça donne pas assez de vie ces trucs là, la con. Ça vole là et ça sert à rien. Ça donnait plein de vie, j'étais à 111, ça va vachement bien marcher. Je suis le dindon de la farce exactement. Et là, ça veut pas. Putain de couteau de merde. Allez, venez ici, créature de merde. Voilà. Putain, des poteaux qui font mal, quoi. Ça, j'aurais pas cru. C'est bon. Hop là. La fin, il spammait les boulettes à la con là. Le souci, c'est que... Putain, lui, il tient pas, lui, quand on lui demande de tenir sur une étagère, il tient pas. J'aime pas cette phase. Parce que si tu tombes pas sur les bons morceaux, t'es dans la merde. C'est bon. 59, on est bon. Putain, il y a 7 parties. On y va.
C'est bon. Il n'y a que les bouboules. Les bouboules roses, ça va. Ça... Putain, et encore, il arrive à me toucher avec ses bouboules roses. Redonnez-moi de la vie, mes pétasses, là. Voilà. Putain, je t'assure, 52 de vie, je peux rien faire là. Allez, redonne-moi de la vie. C'est bon. C'est bon. Putain, il m'a rien redonné. Allez! Ah, il veut plus me donner de vie maintenant. Je pense que s'il voit que je tape pas, il donne pas de vie. Donc, je vais peut-être juste donner un coup, et là ça me redonnait de la vie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, donne-moi de la vie. Et ces boulettes là, elles te font un mal de chien. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, ça m'a pas touché. Oh merde! Non, non, putain, j'étais proche. Et merde! Oh, le cul. Je sais même pas ce que c'est la quatrième phase, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On nous donne pas assez de vie, 111 points de vie, ça suffit pas contre cette salope là. Excusez-moi, je suis énervé, mais ça m'énerve là, faut pouvoir avancer. Je vais essayer une dernière fois pour cette vidéo-là, sinon ce sera dans la prochaine vidéo. C'était bien qu'on avait les autres aussi perso là, on pouvait faire plusieurs pouvoirs là. Donc, on se contente de ralentir le temps, c'est vraiment nul, hein. Excusez-moi, mais ralentir le temps, c'est pas génial génial. On va devoir le faire en 3 manches. Mais non, mais qu'il est con! C'est bon. C'est pas Super Mario. Non, bah de toute façon, il y a une épée. Déjà, dès le départ, ça peut pas être Super Mario. À part dans le truc Mario et Lapin Crétin, Mario n'a pas d'armes. Il n'y a que des pouvoirs.
Hop. Ah, c'est bon, c'est... j'ai pas vu. 83 de vie. Ok, on y va, on va y arriver. On va voir si la stratégie va bien tenir. Ah mais on peut rester appuyé en fait. Putain. C'est chier pour rien déjà dès le départ en fait. J'oublie à chaque fois de ralentir à ce moment là du jeu. Non, avance, putain, il ne voulait pas avancer. Non. Bon, allez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter pour cette vidéo-là. Je vais reprendre dans la prochaine vidéo, parce que ça fait quand même 40 minutes. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo pour ce combat. J'espère que ça vous a plu. Et d'ici là, ben du coup, à bientôt. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Et sur ce... ciao à tous, et merci à Jojo et à Alexion d'avoir été présents. Ciao.